Parti pour me défouler à bloc en prend plein les oreilles. Un bon vieux petit concept punk rock ferait agir à merveille. Je me pointe devant l'entrée de la salle, ce soir ça va être la fête. À ma grande surprise, y'a que dalle, pas une crête, wow. J'ai dû me gourer quelque part quand un pot de pointe me dit: pour le concert, rien comme un lézard, le rock est interdit. Par la banane du grand Lucien, c'est que ça chute dans la colle. On va tous crever comme des chiens s'il y a plus du rock'n'roll. Quand ça fusionne dans tous les sens, quand ça se coule les têtes, quand ça pogote jusqu'à la transe, quand on s'est honnête, si le rock'n'roll est mort, alors vive le rock'n'roll. Kiki, deuxième session, 18h30. La charge, c'est reparti. Et nous pouvons donc entendre des prises de guitare. De qui? Attention, je vois. Tu fais quoi là? Prochain visuel de l'accordéon. Ça ressemble à quoi? Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Au moment où je chante cette chanson, le constat est plutôt joyeux. Tout dépend d'où t'as planqué ton pognon. Ils voudraient nous faire gober tous ces banquiers et rentiers milliardaires. Le capital, c'est la santé. Et que ça désespère des momos gravataires. Et que ça s'accélère le grand bond vers l'arrière. Et pourtant, qui m'a dit. Et pourtant, la chienlit, c'est comme le chien-dent. Ça repousse forcément un moment. Y'a beau couper, c'est provisoire. Tant qu'il y a du noir, y'a de l'espoir. Depuis le temps que j'ai rien pondu, il est grand temps que je m'y remette. Faut que je me sorte les bras du cul pour écrire une chansonnette. Et plus de bassines, comme hier. Comme hier. Quelque chose de frais et nouveau, avec un texte bien brun, sur un petit air fin michto, mais bordel, y'a rien qui me vient. Pourtant, vu le délire ambiant, c'est pour les sujets qui manquaient. Y'a de quoi trouver révoltant tout ce qui se passe dans cette époque de bronque. Mais j'ai beau me creuser la tête, c'est dramatique, y'a rien qu'en sort. J'ai les idées qui végètent. Le gros blocage de la mort. Y'a plus de chez Patchwork, ça bosse sévère. Mais les gars, ils sont où? Y'a pas de son, y'a pas de musique. Ah bah ils sont là. Planqué sous ma casquette. Monsieur, un petit coucou pour l'apéro coucher de soleil. Bon, on filme pas. C'est la grosse chape de plomb. J'ai beau me dire que demain est un autre jour, mais au fond, pourri malsain. Alors on va faire un petit zoom de vos faces avec la centrale nucléaire juste derrière. C'est pourtant pas bien difficile, je suis pas trop qu'un imbécile. Pas besoin d'être Chomsky pour voir que si on continue à supporter un tel foutoir à force de marcher sur la tête, on aura largement de quoi faire crever la planète. Apéro, troisième session. Alors voilà, on essaye désespérément de trouver une soucoupe volante dans ce ciel magnifique, c'est la maison mère. On a toujours pas vu la tête de la maison mère est cachée derrière ce magnifique théâtre. On attend de manger une bonne soupe au chou, d'en larguer des bonnes grosses pour les contacts et on vous raconte au prochain épisode. Impatient de me reposer, d'une nuit bien arrosée, je cherche un raccourci, toujours est-il que comme d'habitude, pas moyen de trouver l'envie.
miracle. Quand tous pour retomber sur le chemin du retour. Mais pourquoi j'ai la France, y'a aucun flic dans les parages. Bonne mon dans le paysage. La base de la base dans le prochain album. Le canal. Perdu en pleine nuit au milieu des bois. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Je suis tout seul avec moi dans les vapes et l'esprit à la dérive. Lorsque tout à coup atterrit devant moi une soucoupe volante, qu'est-ce que je rêve, me suis-je assoupi? Elle est bien là, étincelante, merde. Avec un blast comme le mien, personne ne croit jamais rien.